Salut à tous, c'est Omar Foot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du cas de Brahim Diaz. C'est parti. Bon, du coup dans cette vidéo-là, je vais vous donner mon avis pour savoir si c'est une bonne idée ou pas pour qu'il rejoigne l'équipe du Maroc. Brahim Diaz, du coup, il est né en Espagne, à Malaga, d'une mère espagnole et d'un père marocain. Du coup, depuis plusieurs années, la Fédération marocaine de football tente de le convaincre pour qu'il rejoigne la sélection et il ne l'a pas rejoint. Donc il a disputé une sélection avec l'équipe d'Espagne et il a même marqué un but. Donc il faut savoir qu'avant sa première sélection avec l'équipe espagnole, il y avait déjà des contacts entre la Fédération marocaine de football et le joueur lui-même. Mais il refusait toujours. Alors que là, les négociations ont repris avant la Coupe du Monde 2022. Donc elles ont repris avant la Coupe du Monde 2022, notamment avec la blessure de Amine Harit. On se demandait s'il allait rejoindre l'équipe du Maroc ou pas pour jouer la Coupe du Monde. Finalement, il ne l'a pas joué. Et les discussions ont repris entre Walid Regragui et Brahim Diaz. Puisque Walid Regragui avait fait quelques réunions avec lui, il a échangé avec lui plusieurs fois, notamment après le quart de finale aller contre Naples, entre l'AC Milan et Napoli. Donc Walid Regragui et Brahim Diaz ont fait une réunion. Et puis là, dans pas longtemps, ils vont encore faire une réunion. Donc ça sera la quatrième réunion entre Walid Regragui et Brahim Diaz quand même. Du coup, le dossier, il traîne depuis plusieurs années. Et franchement, c'est très long. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis du coup, après avoir donné le contexte. Là, au Real Madrid, il fait une excellente saison. Au départ, il jouait peu. Mais il a profité des blessures des joueurs offensifs du Real et il s'est imposé peu à peu. Il a un rôle important dans l'effectif du Real Madrid. Du coup, pour moi, donc je vais donner mon avis, pour moi, franchement, sportivement, c'est un bon apport. S'il vient avec l'équipe du Maroc, ça sera un bon apport sportivement parlant. Mais si on parle du côté émotionnel, franchement, non. Je suis contre qu'il rejoigne l'équipe du Maroc. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a déjà joué avec l'Espagne. Il fait traîner le dossier depuis plusieurs années. Et franchement, dans le secteur offensif, ok, il peut prendre la place de quelques titulaires au niveau du secteur offensif, mais il y a du talent dans le secteur offensif marocain. Donc pour moi, non, il ne doit pas rejoindre l'équipe du Maroc. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc, pour vous, est-ce que Brahim Diaz doit rejoindre l'équipe du Maroc ou pas? En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. C'était Omar Foot. Bye.